T'es prêt? Mm-hmm. Ok. What's up, y'all? Donc, aujourd'hui, nous sommes encore une fois ici avec une nouvelle vidéo. Alors, moi, je suis née Twice. Moi, je suis Whitey Prince. Pourquoi tu fais cette phrase? Pourquoi tu fais cette phrase? Tu vois, c'est... T'as culture, c'était toi. Et moi, je suis Whitey Prince. Finalement. Bam, bam, bro. On va jouer à un jeu qui s'appelle Never I... Attends. I have and I have not. Non, c'est pas ça. Jamais. Non, c'est pas ça. Désolé, je vais regarder. Non. Le jeu s'appelle Never Have I Ever. Et en français, c'est Jamais j'ai déjà. Donc, chacune de nous, on va dire quelque chose. Jamais j'ai déjà. Bip, bip, bip. Never have I ever. Bip, bip, bip. Puis on va répondre avec ces cartons que nous avons fait. Donc, ça, c'est à moi. Et celui à lui. Mauvaise écriture. Je sais, je suis pas bon en écriture, mon gars. Avant de commencer, moi j'ai écrit mes questions sur mon téléphone. Donc toutes mes questions sont ici. Et moi aussi j'ai écrit sur mon téléphone, mais mon téléphone n'est pas ici. C'est correct. Commençons la partie. Let's go. Donc, on va faire roche, papier, ciseaux pour savoir qui va commencer. Ok. Attends, roche, papier, ciseaux. Non, non. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Gagné. C'est moi qui commence. Non, c'est moi. C'est toi, ok, vas-y. Oh. Commence, madame. Ok, alors ma première question est, as-tu déjà été intimidée? Ok, par qui? Parce qu'il y a une question et sous question. Non. Toi, par qui t'a intimidé en fait? Mon ex meilleure amie. Donc si tu regardes cette vidéo, tu sais sûrement qui tu aimes. Mais c'est plus intimidé dans les réseaux sociaux. Sur moi. Toi, c'était quoi? Ben la personne qui m'a intimidé. Oh, t'avais écrit oui? Ok. Oui. C'est qui? La personne qui m'a plus intimidé dans ma vie, c'est mon père. Oh, il était. Trop dire avec moi, je veux dire. Mais il m'aime. La deuxième question. Ok, as-tu déjà dormi avec un autre gars sur le même lit? Avec toi? Ben, un autre gars. Quand je dis un autre gars, c'est un autre, pas moi. Ça fait pas que ça endure une relation? Non, un autre gars dans toute ta vie. As-tu déjà dormi avec un autre gars? Quand toi. Ici, je suis avec toi. Oh, un autre gars que toi? Quand la réponse est toujours la même, oui. J'ai un ex. Ok. Troisième question. As-tu déjà appelé quelqu'un maman par accident? On répond. Un, deux, trois. Toi, c'était qui? Moi, c'était la femme de mon Twitter. Moi, c'était mes enseignants, que ce soit un homme ou une femme. Quatrième question. As-tu déjà embrassé ton père sur la bouche? Je sais pas. Je vais répondre. À l'âge que je suis ou à l'âge que je suis mature, non. Mais peut-être à l'âge où je n'étais pas mature, où je ne savais ni c'est quoi est bien ou mal, peut-être. Bah, à l'âge que tu es. À l'âge que tu es. Non. Ok. Embrasser comme sur la bouche? Yeah. Non. Ok, c'est bon. Toi? Non. Oh. Jamais. Ok, tu même quand j'étais petit, bébé, même quand j'étais bébé, là, il m'embrassait comme. Tu peux pas dire, tu sais pas. Non, c'est sûr, moi j'y voyais tout. Non, tu sais pas. Pourquoi tu dois m'embrasser? Moi, ça, c'est des trucs de gay, ça. Mon père ne peut pas embrasser son enfant bébé sur la bouche.
On ne sait pas, c'est pour ça que je dis je sais pas. Et surtout, pas. C'est un garçon. Je sais pas. Cinquième question. As-tu déjà triché sur un test? Un test de... examen? Un test. Examen? C'est la même chose, un okay. test. Mmh. Un, deux, trois. Ouais. Si tu étais dans ma classe en 8e année avec Monsieur Léger, vous savez très bien de quel test que je parle. Spécifiquement le test de géographie, quand on avait un suppléant. Moi, c'est presque dans tous les cours, hein. Moi, je m'en fous. Moi, je trichais dans presque tous les cours. Si j'avais pas une réponse, je triche. Comment c'est normal, tout le monde trichait. Je kiffe tellement pas la mathématique de base. Mais t'en dis, il est bon en calcul de l'étonne. Ah ouais, tu trouves? 10 moins 5. 5. 5, je pense. 5. Ah ben, 10 moins 5, 5. 5, 5. Et 2 fois 5. 10. 10. Tu vois? Avec ça, quand j'ai dit 10 divisé par 5. 6e question. C'est à toi. Je pense, moi, j'ai plus de questions bêtes. Yeah. Allez. Mais fais vite. Ok. As-tu déjà brisé le cœur d'un garçon que tu aimes vraiment ou que tu aimais vraiment? Friendzone. Friendzone, chier. Friendzone, j'ai friend. Mon gars, elle n'était pas à toi, so là elle est à moi. Non, elle a mis. Tout le monde, silence. Écoutez à ça. As-tu déjà pété en présence de tes amis? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Moi, on ne voit pas. Toi, c'est quoi? T'as jamais? Jamais. Jamais. Menteur. Ben ouais. Menteur. Je vais t'expliquer. Je suis quelqu'un qui se respecte dans le sens que non, même si je suis avec mes propres best friends, je pète jamais. Pour moi, je respecte pas l'environnement, je respecte pas le monde qui sont autour de moi, tu vois. C'est vraiment difficile que je pète quand je suis avec mes amis, tu vois. Là, je sais plus où ce qu'on est, si on est à question 10, 9, 7, 8. Bah, juste continuer. On va juste continuer pareil. Ok. As-tu déjà trompé sur moi? Oh, oui. T'as dit oui. Non, t'as dit oui. Ta conscience le sait et t'as dit oui. Mais j'ai jamais triché sur toi. Oui, t'as déjà triché sur moi. Non, j'étais déjà friend zone. Avec moi, tu m'as jamais friend zone. Ouais. Regarde ton visage quand tu mens. Avance. Elle m'a jamais friend zone comme elle est là. Jamais. Déjà, j'accepte pas les friend zone. Ok, guys, on arrive enfin à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. C'était question. Never have I ever. Et jamais j'ai déjà. Nous espérons que vous allez aimer cette vidéo, commenter cette vidéo et partager cette vidéo. Fort, mon gars. Peace. Bye.